Salut à tous, c'est Guy, on se retrouve pour l'épisode numéro 22 de Skyrim Mods. Et nous allons vendre nos objets. Bonjour. Vous êtes ici. Acier, doigt. Qui se fait de mieux en matière d'armes et d'armure. T'as intérêt à être riche, mec. Il a combien? 2000 d'or. Bah, ces 2000 d'or sont à nous. Parce que clairement, avec tout ce qu'on a à vendre, il y a du lourd, quoi. Il y a du lourd. Et ça m'étonnerait qu'il puisse tout prendre. Je suis bien, ouais. On va pas refaire le même fail que la dernière fois. C'est bien moi qui vends. On pourrait désenchanter ça, limite. On va le garder. Ça aussi, on pourrait désenchanter. On peut vendre que ça? On peut vendre que ça, on peut pas lui vendre les colliers et tout. C'est chier. Bon, faut qu'on trouve d'autres marchands. Qu'est-ce qui vend des trucs ici? Ce serait bien de trouver un coffre aussi pour stocker. Des ingrédients. Pas la peine de me prendre en pitié. Et ne me regardez pas comme ça. Je sais ce que je suis. J'ai juré de protéger le conseiller Morvain et je respecterai mon sort. Il y avait une maf que j'entendais vous chercher des potions là. Si vous cherchez des ingrédients exotiques, n'hésitez pas à demander. Mes potions et ingrédients vous intéressent? Oui, c'est surtout ce que je vais te vendre qui m'intéresse. Alors, oui, ça on peut le vendre. Tout. Les œufs dragons, est-ce qu'on les vend? Faut que je trouve quelqu'un qui m'achète des colliers et tout ça. On va juste regarder la forge. Arrête de l'utiliser s'il te plaît. Merci. De nombreuses personnes ici cherchent des étrangers pour les aider. J'espère que vous ne les sauverez pas. On améliorera le forgeage un peu. Je peux plus rien faire. Peux plus rien faire. Je peux vous aider? Regardez donc. Il y avait un truc aussi que je voulais faire dans les cris. Je sais. Voilà. Ça fait quoi si je me transforme en dragon ici? J'ai bien envie de savoir. Sinon ça va barder. Comment avez-vous fait ça? Oh, mais je crois que je me transforme en dragon. Ça me met juste les bras colorés en fait. Bon après c'est stylé mais... Bon. C'est qui vend des colliers s'il vous plaît? On va visiter un peu. De toute façon au donjon on peut s'y TP juste en lisant le bouquin. Chaud. Bienvenue à la... Nous avons toutes sortes de plats et boissons d'Almertre. Eldrin Cero. Non, je m'intéresse pas. Si vous avez de quoi payer, je suis à votre service. Elles sont sympatoches, leur maison ici. C'est quoi ça? Bienvenue au Netchemeche. Regardez donc. Alors, ouais, nourriture ingrédient, je pense pas que je vais vendre des trucs. Ouais, clairement pas. Faites attention, pas. Si vous cherchez une chambre ou un repas chaud, si vous avez les poches bien pleines, allez voir Alice au théâtre de Colbjorn. Il paraît qu'il veut faire toujours ça à prendre. À la prochaine. Là, ce que je cherche vite fait, les gens, c'est ça. Ça. Donc. On va tout stocker dans ce coffre en espérant que un PNJ ne récupère rien. Ce serait cool. Bon. Par contre, tu vas arrêter de bugger le jeu parce que j'aimerais bien accéder à ça là. Voilà, merci. Alors, stocker. Les 6. Hop.
Voilà. Bueno. Et du coup, ils sont là. Perfecto, perfecto. Donc on retient que c'est ici, dans le net chez Chémé ou un truc du genre. Limite, on peut rester ici en fait. On peut rester ici et directement lire le bouquin. Donc celui-là, c'est là où on était dans le dernier épisode. On va faire Rêverie, qui était à la base le premier bouquin qu'on a trouvé. Et donc j'hésitais à aller dans le chapitre 2 parce que je savais pas trop ce que ça allait faire. Mais maintenant que je sais, on peut y aller. En fait, c'est des donjons, ces bouquins. C'est des donjons. Allez, de retour dans ce monde chelou. Ça reste longtemps, le... Bizarre. Ça, je voulais tester juste. Elle est pas censée me suivre. Non, elle me suit pas. Bon, tant pis. Tant pis. Donc, du coup, chapitre 2. Je sais pas ce qu'est ce donjon, mais bon, on va le faire. On a toujours des récompenses à la clé. Du coup, il m'a pas vu. Il m'a pas vu, écoutez. Profitez. Est-ce que le main christien est avec moi? Non. Pas avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Vide. Ah non, c'est bon. Parchemin. Ouais, c'est le même truc que la dernière fois. Oh, merci. Ah, on peut utiliser le truc aspect draconique une fois par jour. Ok. C'est bon à savoir. Du coup, on va remettre notre petit déferlement. On a que ça. Nous n'avons que ça. C'est un peu la dush en cri. Ça vient de trouver un bon cri. Un bon cri d'attaque. Sauf que mon déferlement n'est même pas au max. Qu'est-ce que je viens de prendre? Une masse d'appendices agités. Oui. Pas tourner les pages. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce livre a de la valeur. Chapitre 3. Donc je pense que les livres, chaque livre est composé de 3 chapitres, du coup là c'est le dernier. Oh oh oh, on se calme. Coucou. Tu m'as vu. Là, il y a le tentacule qui va venir faire chier. Viens par là plutôt. Viens te battre ici. Eh, viens, sois pas timide. Bon. Il y en a deux. Oh, mais il y en a plein. Il y en a 3. On va se faire ça là.
Voilà. On va plus rigoler maintenant. Oh, on se calme. C'est quoi qui tourne autour de moi là? Coucou. Bon, fini. Ok, c'est fini. Soin rapide. Hop. Oui, ça joue bien. Me dites pas qu'on a fait tout ça pour ça. Oh yeah. C'est cool. Nouvelle botte. Ah non, là. Mettre en jante. Oui, et donc. Chapitre 3. On est au chapitre 3 là, je suis pas fou. On a tout fait. Logiquement, on a tout fait. Ah, c'est ouvert là. Waouh, c'est stylé. Ce donjon est vraiment stylé en tout cas. Il nous manque un point. Go prendre l'arc. Go prendre l'arc. Oh non, mais clairement c'est pas fini encore. Je sais pas ce que fait cette chose. Vers la porte là-bas. Équipé d'un arc. Oh, c'est cool ça. On va utiliser les parchemins un peu. Donc attends, déjà on va prendre le sort, voilà. Et les parchemins, c'est là. Ranime un cadavre. Ça, ça peut être cool. On va le prendre. C'est quoi ça? Azura et la boîte. Il y a énormément de bouquins. Oh, sérieux? Ça, c'est trop bueno. Je le veux. Je le veux, je le veux. Ouais, il est là. Ah mince, c'est ce que je voulais faire. Ouais, on va super vite. C'est trop bien. C'est trop bien. Il y a vraiment tout et n'importe quoi comme ça. C'est plutôt cool. On va juste, par contre, reprendre... Il y a des bruits bizarres. Reprendre bannissement. Coucou, je te bannis. Coucou, ça ne marche pas. Ok. J'aurais peut-être dû lire le truc avant. J'imagine que c'était utile de lire.
Il y en a 3. Ils aiment bien en mettre 3 à chaque fois. Ils se disent bien que 1 ça suffirait pas. Occasionnellement. Il est où? Souffle dans l'enfer. Mort? Non. Hein? Boum, biatch! Oh, ça ne lui a rien fait. Le truc qui casse tout, ça ne lui a rien fait du tout. Il s'en bat les couilles. Voilà. Comment faire tomber un monstre? Oh! Petite pause, les gens, oui, je m'arrête comme ça en plein combat. Merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite du donjon. Oui, oui, c'est soudain, je sais. Donc, n'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires. Et à très bientôt, les gens. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao.